baf, à fond les mecs. Est-ce que toutes les chansons sont en anglais ou pas? C'est voulu, c'est... ce soir. Ce soir, non mais vous en général. Ah non. Non, vous avez... Vous avez la chanteuse est là. Elle est partie en France. Parce qu'elle parle très mal anglais, tu m'aimes. C'est ça? Non, c'est pas ça du tout. En revanche, on se tourne du côté de Léonie, dernière compo de cette première partie. On prend une petite pause pour boire un verre. Donc si vous aimez pas quand il y a trop de monde au bar, je conseille de prendre un verre plutôt maintenant. Ça conseille. Vous, toutes les compos sont en français. Ouais, beaucoup en français. Qui écrit, qui fait quoi, comment vous répartissez un peu les tâches dans le groupe? On écrit mon frère, moi, les morceaux, chacun ses morceaux. Voilà. Et musicalement, c'est quoi? Vous écrivez d'abord, vous composez d'abord, vous faites des morceaux et vous vous dites, tiens, on va écrire là-dessus. On compose, on fait des yaourts en anglais, on se fait des trucs qu'on trouve cool en anglais, et après on essaie de transformer ça en français, et là c'est bien chaud. Parce qu'en anglais, ça donne quoi? C'est pas... Ça fait chier de la faire, et après il faut trouver des mots en français qui marchent bien, qui sonnent bien, et c'est là où ça se complique. D'accord, bah écoute, là on part sur une compo donc en français, qui s'appelle comment? On va faire, on s'est dit qu'on allait peut-être faire chanter un peu les gens quand même ce soir dans cette battle. Est-ce que vous voulez chanter? Je crois qu'ils sont pas d'accord du tout. Je pense pas chanter. Est-ce que vous voulez vraiment chanter? Ah bah c'est pas vous jouer, je vous laisse. Je vous laisse faire des bruits. Je tiens à un morceau qui s'appelle Famille. Je sais que vous ne pas, c'est que j'imagine vraiment vos oreilles, vos des paroles. C'est une petite balade, voilà. Les paroles sont assez simples sur le refrain. Thank you.
personne avec des... C'est comme ça. Il y a des t-shirts Léonie carrément. Où est-ce qu'on peut les retrouver? Tu l'as aussi? Magnifique. Si vous n'avez pas, où est-ce qu'on peut les retrouver? On a laissé en vente, on a des t-shirts. Vous pouvez nous voir, venir nous voir à la fin de ce concert. Ou alors, on a un site internet, c'est leonimusique.com. Vous pouvez tout acheter sur notre site aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors justement, dans quelques minutes, on va faire une petite pause. Vous pourrez prendre des photos, discuter, les violer peut-être si vous avez envie. Mais justement, on pensait à faire la pause ici, mais si vous êtes d'accord, parce qu'en tout début de soirée, si vous étiez là, on a eu un petit problème de façade, de langage technique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de son. Donc, on a autorisé Beaver on the Water à avoir une chanson en plus, ça ne vous pose pas de problème. Absolument. Vous êtes joueurs, c'est très bien, merci les garçons. On vous retrouve donc après la pause, restez pas là. Est-ce que vous voulez prendre des photos, des choses comme ça? Ah, et là, tu sais, depuis tout à l'heure, ouais, et là, non, ça m'intéresse pas, ils sont pas si beaux que ça. Non, je les aime plus. A tout à l'heure les garçons, c'est parti alors. Qu'est-ce qu'on fait, une compo, une reprise, qu'est-ce qu'on fait les garçons? Une reprise. Une reprise, laquelle? Standard. Sweet Home Alone. Ma préférée, tu le sais. Allez, c'est parti, on les encourage juste après. Il y a une petite pause de 10 minutes, on prend un verre, on discute. Et après on envoie tout pour la fin de soirée. On essaie de faire basculer ou pas la balance selon vos choix, c'est parti. Encouragez-les. We will still journey.
Léger avantage pour Léonie. C'est à vous de jouer. On se fait 10 minutes de pause. Vous ne bougez pas, on se retrouve après. Vous m'avez fait flipper, on se retrouve après. Je pense que les garçons vont descendre. Si vous voulez faire des photos, des choses comme ça, c'est maintenant. Et après, on fout le bordel jusqu'à quand vous voulez. C'est parti, à tout à l'heure. Deux reprises, alors vous avez choisi la reprise que vous vouliez, une composition, enfin non mais
une reprise, une compo, une reprise, et après une surprise. On va faire comme tout à l'heure pour pas désavantager. On va se le refaire au Shifumi si vous êtes d'accord. Pierre, ciseaux, feuille, pour savoir qui va commencer, je veux un représentant de chaque équipe. Vous connaissez le principe, pierre, ciseaux, feuille, le puits n'existe pas. Allez, ils en font déjà un pour savoir qui va jouer. Alors que toi, c'est bon, tu vas jouer. Je vais jouer. T'as gagné tout à l'heure. Combien? C'est bon. Allez, prêt, prêt. Comme par hasard. Ouais, t'as la gagne, c'est parti. Vous connaissez le principe, dès que je lève le bras, vous faites Shifumi, vous battez, et à chaque fois on comptabilise les points. Deux manches gagnantes, le premier qui a deux points à gagner, ou trois s'il y a 2-1, et ainsi de suite, c'est parti. Attention! Attends, non, non, vous êtes séparés à corps. Dès que je lève le main, dès que t'entends Shi, vous partez, vous êtes prêts? Attention! Shifumi! Égalité, attention. Faut crier encore plus fort, attention! Shifumi! Deuxième manche. Je vais t'échauffer un peu le poignet ou pas? C'est bon? Attention au public des Sables d'Olonne, c'est à vous! Un partout. Tout se joue donc maintenant. Vous avez vu le combat de regard ou pas? On a l'impression que les mecs ils jouent, tu sais, ils se sont regardés comme ça. Même moi j'ai flippé, j'ai failli faire ok, j'ai arrêté. Je me casse, je vous laisse terminer tranquille. Attention, tout se joue maintenant. Égalité. Il y a une pression, j'ai l'impression d'être à la finale de la Coupe du Monde au pénalty. Attention. Je veux pas voir ça, moi. Alors, tout à l'heure, vous avez laissé l'avantage. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous commencez cette deuxième manche ou vous laissez encore l'avantage? Fred, dis-moi tout. Allez, on va être fair play, on va commencer cette fois. Pouvez-vous détendre les garçons? Et on commence cette deuxième manche avec une reprise. Qu'est-ce que vous avez envie de reprendre, les garçons? Le micro. Ah, le micro. On a voulu vous surprendre un peu, on va faire une reprise d'un chanteur français qui s'appelle Pascal Obispo. On va prendre un morceau qui s'appelle Tomber pour elle. Tu, comme les amours,
Léonie, ce soir en salle de l'eau, on peut les applaudir encore une fois très très fort. Donc genre, on est frères, on change de chanteur pendant la soirée, c'est bien. Vous êtes quoi, deux chanteurs? Tu chantes aussi ou pas, non? Vous chantez tout? Tu chantes aussi ou pas, non? Ah, vous chantez tous, vous tournez et tout. La classe, internationale, les mecs. Bon, on vous retrouve tout à l'heure, on traverse, alors... Ah, il y a moins d'avance que tout à l'heure c'était... Ça se resserre un petit peu. Je vous rappelle le principe de la soirée, vous allez voir Marco, vous demandez un jeton si vous venez d'arriver. Et puis, bah, vous votez pour le groupe qui vous fait le plus vibrer. On continue avec une reprise. Qu'est-ce que vous nous avez préparé, les garçons, comme reprise? Les mecs ne veulent plus me parler, ça y est. Qu'est-ce que vous nous avez préparé comme reprise? On va faire une reprise de Gene Vincent qui s'appelle Bibab de Lula. Bibab de Lula, vous connaissez tous. Donc je vous demande de commencer à taper dans les mains très 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 fort pour les encourager, c'est parti. Et les mecs, c'est à vous. C'est pas terminé, il vous reste encore deux chansons avant le verdict. Comment ça se passe, les garçons, pour l'instant? Ça va? Ça va. Franchement, c'est très bien. Comment est le... Parce que c'est votre première, vous, au Sable d'Olonne. Comment est le public des Sables ce soir? C'est pas super mal. C'est pas mal, mais moi, je trouve qu'on les entend pas assez, quand même. Ah, on vous entend pas assez. Est-ce que tout va bien au Sable d'Olonne? Ouais. Il vous reste deux chansons chacun pour retourner l'ambiance de la ville ce soir. Et on va se retourner du côté de Léonie. Vous êtes toujours là aussi, les garçons. Ça boit de l'eau, c'est bien, vous éliminer. Dernière compo avant les résultats, peut-être qu'après on se fera plaisir. Avant de donner les résultats, parce que je vous rappelle quand même le principe, vous votez. Et le gagnant de ce soir, comme le gagnant de chaque vendredi, il y a 5 vendredis, c'est le deuxième, où vous votez pour vos groupes préférés, il y a tous les styles. La semaine dernière, c'était de la beatbox. Ce soir, c'est plutôt rock au sens large du terme. Il y aura 3 autres vendredis si vous êtes là, c'est gratuit, vous êtes les bienvenus, vous votez.
Et les gagnants de chaque soirée seront là sur scène, aux Atlantes dans la salle, ce sera au printemps et la date n'est pas fixée encore. Printemps 2014-2015 pour une grosse soirée, on vous en reparlera. On part sur quoi niveau compo les garçons là? Ils ont l'air concentrés, c'est un truc de ouf. Tu m'as fait la tête du mec concentré comme ça. On joue le jeu à fond. Exactement. T'as pas mal au bras, tu veux filer ton panneau à quelqu'un d'autre ou pas? Ça fait une heure et demie qu'elle est comme ça. Ouais. On t'a vu, c'est très très bien, mais si tu files à ta copine, si tu veux te reposer un petit peu. Elle en a... Oui, non mais t'as d'autres copines? Non, j'ai qu'une copine et elle a acheté un panneau. Écoute, débrouille-toi. Car on part sur les garçons, c'est quoi cette compo? Bon, on va repartir sur une compo de notre dernier album aussi. Alors, c'est un morceau où combien on va faire bouger un peu les gens. Combien d'albums? Bah, en fait, on a fait plusieurs EP et là, c'est le premier vrai album. Qui est déjà sorti? Ouais, qui vient de sortir. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Paraffine. Paraffine, vous l'avez ou pas l'album? Ah bah y'a même pas besoin de faire de promo alors c'est cool. C'est vraiment c'est ça. Là-bas peut-être moins, mais si vous le voulez, il est en vente, si vous le voulez moins cher, vous pouvez le reprendre à moitié prix chez des gens qui l'ont déjà en double ici. Bah vous gardez les deux. Ok. C'est parti, à vous les garçons. Ça va toujours? Vous êtes chaud? Ah!
Il s'appelle Léonie, je ne sais même pas s'il y a besoin de vous présenter. Bravo. Dernière compo de la soirée, on vous retrouve dans quelques minutes avec une reprise. Il vous restera une chanson pour l'instant. Bonne petite légère avance les garçons. Vous êtes confiants ou pas? Comment ça se passe? C'est la deuxième en fait. Comment ça se passe justement? On peut plus jouer. Est-ce que tu en as de rechange ou pas? Je vais aller de rechange. On va pouvoir continuer. Allez là, il faut la donner, comment on fait? Allez, on veut la plus haut possible. Tout prêt pour un problème. Attention, vas-y. Ok, on va envoyer la batterie maintenant. Vous avez fait. C'est bon ou pas? Ne vous battez pas. Combo pour les garçons. Bon, les mecs. Petit avantage. Alors, c'est vrai qu'ils jouent quand même à domicile. Il y a un public, vous les connaissiez avant d'arriver. Et pourtant, ça reste. Il vous reste deux morceaux pour tout donner. Les challengers de la soirée, je vous demande de les encourager très 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 fort. Vous pouvez encore voter. Dernière compo de la soirée, une chanson qui vient d'où, qui s'appelle comment, c'est quoi l'histoire? Rends-nous du rêve. Qui nous la raconte? C'est une chanson qui s'appelle I'm So Proud. Et c'est venu un matin, je le vends comme ça. Faut pas chercher des fois. Il n'y a pas forcément d'histoire exceptionnelle. Ne cherchons pas. Dernière compo de la soirée, je vous demande de les encourager très 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 fort. Donc challenger ce soir. Foutez-nous le bordel les garçons, il n'y a pas d'autre mot. À vos yeux.
Beaver, qui veut dire castor. Mais je suis totalement bilingue. Et beaver, qui signifie aussi autre chose, non? Alors, parce que beaver, c'est le sexe féminin, on peut le dire comme ça. Alors, pourquoi beaver? Vous avez choisi quoi, pour le castor ou pour... Pour le castor. On l'a su après, et du coup, on s'est dit, bah tant pis. D'accord. Et pourquoi le castor sur l'eau? Parce que, justement, la cinquième personne qui n'est pas là sait très bien faire le castor. Exactement. Sur l'eau. Donc, où est-ce qu'on peut l'avoir quand vous êtes cinq? Est-ce qu'il y a une date de prévue prochainement? Pas du tout. Pas pour l'instant. La prochaine date. Si on veut vous voir dans le coin, si on veut vous revoir. Festival Météor à La Roche. Et les dates, Festival Météor? 26 septembre. Le 26 septembre, c'est où? Au Fusion. Le bar Le Highlander. Le Highlander, ouais. Qui est en plein centre. C'est ça. C'est ça, je vous situe à peu près rue. Vous allez découvrir, de toute façon, la Roche-sur-Yon, c'est tout droit, c'est très Napoléon. Rue. Au fond, à gauche. Rue principale, merci beaucoup. Au 48, on a tout. Et il y a un digicode après pour aller chez le patron, 42B12. En fait. Merci les garçons. On continue, alors. En ce qui concerne la compétition, quelle heure est-il? Il est exactement 22h21. Dans 9 minutes. J'ai dit quoi? Oui, non, mais je suis à l'heure de Moscou, moi. Vous savez, je voyage beaucoup. Et donc, ce qui nous signifie qu'il reste un morceau chacun, les garçons. Ouais, c'est ça. Une reprise, après on fera la fête. Mais pour voter, si vous venez d'arriver, vous chopez un petit jeton du côté de Margot qui est là-bas à l'entrée. Qui était là-bas. Margot, t'es parti. Ouais, vous allez voir sa sœur, salut. Qui lève le bras là-bas. Vous lui demandez un jeton contre un petit tampon. Et vous pouvez voter et essayer d'inverser la donne ou pas. Laissez un avantage ce soir pour Léonie. Une dernière chanson, une reprise. Vous partez sur quoi, les mecs? Une petite reprise, ouais. Bah écoute, Clément, on s'est dit, on est au bord de la mer, on est chez nous, on est dans le sable de l'homme, il y a la mer, il y a la plage. Fais-moi deviner. Il y a quoi? Il y a la mer, il y a la plage. Et il y a du sexe. Un peu plus, mais un peu plus par là. Quand tu vas un peu plus par là, il y a quoi? Il y a la chaume. Ouais, la chaume, et entre la chaume et les sables, il y a quoi? Entre la chaume et les sables, il y a un port. Il y a un port, ouais. Et dans le port, il y a quoi? Des marins qui chantent. Il y a des marins qui chantent, là. C'est ça? Ouais, c'est ça. Dans le port d'Amsterdam? Non, c'est pas dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui chantent même fort, je pense. Est-ce que ce soir, on va transformer le public en marin? Est-ce que vous êtes prêts à jouer les marins ce soir? Ok, alors ma dernière reprise, ça va être un petit morceau de soldat Louis qui s'appelle Tirer des caisses. Je suis partant, ouais, oh.
Et après, on s'étonne que tu casses des baguettes. Mec, il donne tout. Léonie, pour vous, ça donne ce soir. On est, si vous nous rejoignez, on est... On va pas se quitter non plus comme ça. On va faire un peu la fête après. C'était la dernière en tout cas pour voter. Vous ne pouvez plus rien faire, Léonie, vous avez tout donné, ça va? Tout va bien? Dit-il avec son verre, ça va, je suis mort. Son verre de... On te laisse récupérer. Ne t'inquiète pas, restez pas très loin. Si vous nous rejoignez à l'instant, allez vous faire tamponner, vous avez des petits jetons. Et vous les mettez, alors pour l'instant... Alors c'est pas si clair que ça, avantage à Léonie. Mais ça a bougé un petit peu tout à l'heure, les mecs, il vous reste une chanson. Pour essayer de faire pencher la balance, j'ai envie de dire. Une chanson, une reprise, puisque c'est la règle, c'est une reprise. Je crois que vous avez choisi une des plus grandes poètes du siècle. Voilà, c'est ça. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Sabrina. Est-ce que vous connaissez Sabrina? Vous pouvez plus... Il y avait un clip où elle était en maillot de bain. C'est celle-ci, hein? C'est ça. Et la chanson s'appelle... Boys, boys, boys. Boys, boys, boys. Ils vont venir, vous inquiétez pas. Je vous demande d'applaudir très très fort Beaver on the Water pour la dernière ce soir, c'est parti. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Il va falloir vous aider, sauter partout. On est vraiment hyper contents d'avoir joué là ce soir, c'est vraiment super cool de nous avoir accueillis, le public est super chaud, c'est cool. Donc là on a besoin de vous pour foutre le bordel, et on y va quoi. Yeah.
Il vous reste environ une minute pour voter. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas voté, qui viennent de débarquer? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore voté? Vous avez, si on a quelques-unes, vous avez une minute, vous foncez vers le bar, vous choisissez le groupe qui vous a le plus fait vibrer, dans une minute on fait le résultat. Vous allez, les garçons, venez. Ah, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas voté, tu veux voter pour qui? Pour eux? Oh, tu peux encore aller voter, vas-y, n'hésite pas. Je vous rappelle juste, si vous êtes de passage sur les Sables d'Olonne, bon, ça vous concerne pas forcément, sauf si vous voulez revenir. Pour ceux qui sont là régulièrement, chaque vendredi soir, c'est comme ça, c'est gratuit. Vous rentrez, c'est les battles musicales, il y a deux groupes qui s'affrontent. Une balance au milieu, celui que vous préférez. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là samedi soir prochain? Oui. Alors si vous êtes là aussi, est-ce que vous connaissez l'émission Touche pas à mon poste? Ouais. Alors je sais pas si vous savez, mais des fois je fais des blagues, je passe comme ça et je m'incruste un peu partout. On vous a préparé une soirée Clément l'Incruste samedi soir dans la salle des Atlantes. C'est un... comment dire, j'ai rien le droit de dire. Ça va être un beau bordel. Si vous êtes là samedi soir, on vous fait une soirée spéciale sur la scène des Atlantes. Ça va être un... ça va être une surprise, vous verrez. Je vais m'incruster pendant des trucs, vous verrez. On en parle tout à l'heure si vous voulez. Si vous êtes là vendredi soir également, c'est gratuit, c'est ici. Nouveau groupe, nouvelle battle. Mais juste avant, venez me rejoindre les garçons. Venez, venez me rejoindre, on va faire... Alors, ils étaient à domicile ce soir. Ils avaient leur public avec eux. Je vous demande tout d'abord d'applaudir les grands gagnants de la soirée. Ce sera Léonie pour vous ce soir. Ils n'étaient pas à domicile ce soir et pourtant... ça a été des très très bons challengers. Je vous demande également de faire un maximum de bruit pour Peter Ormond. Bravo les garçons. Alors ce qu'on va faire, on va pas se quitter comme ça. Juste, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous remettre en place. C'est vous qui allez commencer pour une dernière. Vous allez et vous rejouerez si vous voulez bien. On va garder les vainqueurs pour la toute fin. Je vais vous demander de tous encourager justement. Remettez-vous en place. Vous choisissez si vous voulez une reprise, si vous voulez une compo, ce que vous voulez. Vous nous donnez tout. Je vous demande, quel que soit... alors, tout au long de la soirée, on a encouragé vraiment notre groupe préféré, à droite, à gauche, comme vous voulez. Là, je vous demande de tous les accompagner. On fera pareil ici. Vous pouvez même vous déplacer là. On se quitte avec un bordel incroyable au Sables d'Olonne. Et je voudrais tout d'abord applaudir toute l'équipe des Atlantes, que ce soit les personnes au bar, à la technique, à la programmation, tout le monde. Cet événement n'aurait pas lieu. Tous les sponsors que vous voyez ici, tous les sponsors sont là. On peut vraiment les applaudir parce que sans eux, il n'y aurait pas d'événement comme ça. C'est gratuit, c'est pour faire la fête. Chaque vendredi, c'est comme ça. Donc, juste merci. On peut les applaudir très très fort. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les garçons, pour se quitter, une reprise, une compo? Là, on va se lâcher sur une reprise de Four No Blondes, qui est un groupe de filles des années 90, et c'est What's Up. Ah bah c'est parti, je vous demande. Vous connaissez forcément le refrain, donc vous allez le suivre. De les encourager très 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 fort, faites du bruit. Viveur en nos voitures. Merci à vous.
times with live affliction, killing it what's in my head. I'm feeling a little peculiar. Now I step aside with loud malfunctions, then I realize my bed. But it's too old in my life, so what's going on? And I say, internet, c'est ça, ouais. Donc c'est au nom justement, Beaver. Si vous ne savez pas comment dire castor en anglais, maintenant vous le savez. Beaver on the water, castor sur l'eau, j'adore ce nom. Merci beaucoup d'être venus les garçons ce soir, et à très vite. On peut les applaudir encore une fois très 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 fort, merci. Et on va pas se quitter comme ça ce soir, je vous demande également du bruit. Alors avant de partir, j'ai une question parce que après ça va être l'euphorie, tout le monde va se déshabiller, on pourra même plus parler. On parlait tout à l'heure, donc il y a le site internet, il y a l'album. Il y a une histoire d'un homme nu sur le port tout à l'heure, mais ça on va régler ça après. C'est toujours d'actualité. Je crois que tu devais te mettre tout nu sur le port, on va voir. Vous arrangez entre vous après en tout cas. Le site Facebook, vous le... Dis-moi. J'adore les câlins. Vous allez vous rapprocher, c'est bien. Ça commence en battle, ça va bien se finir. Prochaine date, je sais que vous jouez très régulièrement sur le port. Prochaine date, dès demain. Ouais, vous jouez tous les soirs, tous les jours jusqu'à la fin du mois d'août, jusqu'au 24 août exactement. D'accord. On part 3-4 jours du côté de Clermont-Ferrand, on part là-bas. Donc là, vous êtes là cette semaine? Là, cette semaine, on sera. D'accord. Donc si je passe sur le port, je peux prendre un instrument, venir m'incruster. Voilà.
Bah c'est prévu. On va faire ça. On vous annoncera le jour, mais sûrement il va venir s'incruster avec nous. On va faire ça alors. Je vous demande de faire du bruit pour les grands gagnants ce soir de ce battle. Alors, vous avez avant tout vous avez avant tout gagné le droit, donc vous jouez là régulièrement, mais vous jouerez dans la salle des Atlantes, ce sera au printemps 2015 avec tous les gagnants de chaque vendredi. Bravo à vous, merci. Je vous laisse vous éclater, on termine avec toi, une compo, une reprise. On va terminer avec une compo. Avant toute chose quand même, je voudrais qu'on fasse un max de bruit pour les personnes qui nous ont accueillis au son, s'il vous plaît. Ce serait comme ça. Au début, on s'est dit peut-être, on verra. Au final, on a dit oui et on regrette pas d'avoir dit oui. Mais un max de bruit pour Seb, s'il vous plaît! Un max de bruit pour Marco et toute l'équipe d'assistants qui nous ont accueillis ce soir, qui nous ont offert des petits fours en eau, du rosé et tout le bordel. Un max de bruit pour eux, s'il vous plaît! Et j'espère qu'on va les croiser très vite. Un max de bruit pour vous, s'il vous plaît. En 5e position, je voudrais qu'on fasse un max de bruit pour Clément qui a animé toute cette soirée. Pour votre bonne humeur. Un max de bruit pour vous-même, s'il vous plaît. Vous allez toujours bien. Alors on va se mettre sur la silence pour vous un peu. Et on va se prendre pour les plus tard pour ça. Est-ce qu'on prend pour vous et on va se faire une petite vidéo aussi. Quoi qu'on y en fasse, à chaque fois.
des Sables, merci. Au Centre des Congrès, des Atlantes, merci à vous, bonne soirée. Et peut-être à tout à l'heure sur le port alors. Bonne soirée.